Allez, salut tout le monde! Re pour ceux qui viennent de Twitch, puisque j'étais en train de streamer la version démo de Lawn Mowing Simulator sur Twitch juste avant. Ce jeu est complètement dingue! Il fallait absolument que je vous fasse un live dessus, là tout de suite, parce que vous faire juste une vidéo, ça aurait duré trop longtemps. Là, on est parti pour 1 heure. Hein. Donc, c'est une démo. Le jeu, on l'attendait depuis longtemps, il n'a pas encore de date de sortie, on sait qu'il va sortir cet été. C'est un jeu qui est développé par Skyhook Game et édité par Curve Digital, développé sur Unity. Le but du jeu, tondre la pelouse, mais pas tondre la pelouse avec notre petite tondeuse ou avec des robots tondeuses. Non, non. Là, on est avec du tracteur tondeuse, du lourd, du matériel sous licence, avec des vraies caractéristiques techniques, que ce soit en largeur de coupe, en capacité de tonte. Hein, si vous tondez trop large d'un coup et trop bas en lame, vous risquez le bourrage et du coup, c'est la cata. Et voilà, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et en plus de ça, putain, le jeu, il est beau. Bon, et on va pas trop attendre. Je vais commencer direct. Je commence une nouvelle carrière. Je joue à la manette parce que clavier-souris, j'ai un peu du mal. C'est peut-être le seul petit point négatif que j'ai sur le jeu, c'est au niveau de la maniabilité. Ça demande d'être un petit peu ajusté. Mais n'empêche que le jeu, il est en français. Et au niveau ergonomie générale, il est au top. Il est. Voilà! Ça, c'est un jeu qui est fini de développer. Pas comme la tendance actuelle à nous sortir des early access à tout va. Là, on est dans un jeu, il peut sortir comme ça. Salut Didier, salut Greg, salut Mister Bandit, salut tout le monde. Allez, nouvelle carrière, c'est parti. Je vais. Est-ce que je joue avec le tuto? Alors, il y a une petite phase de tuto qui est bien foutue, qui va vous expliquer les différents types de matériel, tout ça. Je vais les passer, les tutos. Alors, quand on commence, on doit donc créer. Je vais reprendre du coup le clavier souris. Hop! Alors, nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise. Saisir le nom. Alors, vous pouvez juste faire une petite personnalisation rapide. Hop, univers simu. Le logo de l'entreprise. Les logos sont déjà prédéfinis. Vous ne pouvez pas importer votre logo. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, vous pouvez changer votre joueur, lui mettre un nom. Parce qu'en fait, vous avez une gestion des employés. C'est une vraie simulation d'entreprise. Une vraie gestion d'entreprise où vous allez pouvoir gérer des employés. Alors. La démo ne montre pas si vous pouvez faire du multijoueur avec une IA ou avec un pote, malheureusement. Ça s'arrête là, on a un seul terrain à faire. Et une fois qu'il est fait, c'est bouclé. Alors, hop, nono. L'avatar du joueur, donc pareil, il y a déjà des trucs prédéfinis. Je vais prendre celui-là. Hop, avatar 11, avatar 9, allez hop. Vous pouvez changer la casquette, la couleur de la casquette, la couleur du t-shirt. Hop. L'emplacement du logo, si vous le voulez pas là, si vous le voulez plutôt derrière le gars, hop, on peut le faire pivoter. Voilà, il a un gros logo dans le dos. Couleur de l'uniforme. C'est sympa, il y a un petit peu de personnalisation, mais bon, c'est pas oufissime. Hein. Salut Hugo. Et re Mikado. Alors je confirme et puis hop, on va y aller directement en jeu. Es-tu satisfait de la configuration de ton entreprise? Ouais. Alors, au début, regardez un petit peu tout ce qu'on a comme matériel. Alors là, ce sont les vrais 3D hein, que vous voyez à l'écran. On peut déjà les faire pivoter. Hein. Donc le matériel, il est sincèrement pas dégueulasse. Hein. C'est quand même bien fait. Au début, on a le choix. Donc soit sur un tracteur tondeuse avec la lame centrale, la coupe au centre et un bac de récupération. Une trémie. Donc toutes les caractéristiques sont là. C'est bien marqué. Largeur de coupe 84 cm, 6 litres de réservoir, vitesse maxi, tout ça. Après, on en a un articulé qui fait du mulching, donc il n'y a pas de récupération d'herbe à faire, qui broie l'herbe, qui a une largeur un peu plus importante, 98 cm. Et après, bon, qu'on commence à aller dans des trucs de plus en plus lourds, jusqu'à il y a une machine de ouf. Alors, je sais plus c'est laquelle, c'est celle-là, je crois que c'est la pire, celle-là. Presque 20 km/h. Donc elle peut avoir un bac ou pas, faire du mulching, 1,55 m de large, de largeur de travail. Donc là voilà, c'est un jeu qui est vraiment vraiment sérieux. On rigole pas avec le matos quoi. Alors moi je suis pas connaisseur, je suis pas paysagiste pour un sou. Moi je fais tout à la main, hein, donc ça me fait plaisir en fait, ça me détend de jouer à ce jeu-là et de voir un petit peu comment ça se conduit. Mais il y a des machines de dingue quand même. En 4 roues motrices. Bon, bref, pour l'instant, on n'a que ça de débloquer. Je ne sais pas s'il y aura d'autres licences, des DLC, tout ça. Pour l'instant, rien n'est annoncé. Mais bon, la démo se limite à 2 tracteurs. Donc, je vais prendre celui-là. Puisque tout à l'heure, je n'ai pas pu sur Twitch. Donc, je vais le reprendre. Accepter. Ouais. Et alors, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai eu un bug.
Parce qu'en fait, on peut avoir des dégâts sur le matériel. Et tout à l'heure, en fait, en commençant ma partie, j'ai mon tracteur tondeuse qui a valdingué et qui s'est pris 100% de dégâts. Du coup, j'ai pas pu faire la mission. Donc, on va voir là si ça, si c'est encore le cas. Alors, on peut choisir un employé ou peut-être plusieurs. Ça, c'est pareil, c'est flou, on ne sait pas encore. pour l'instant, je vais prendre. Je suis tout seul, donc je me prends moi. Je prends un véhicule, j'en ai qu'un également. Et vous avez les objectifs de la mission. 99% de la surface tondue. Donc tonte générale, faut pas tondre les fleurs, sinon vous avez des pénalités. Une hauteur de tonte de 5 à 6 cm, vous allez voir que la lame est réglable. Il faut faire la vérification du sol pour voir s'il n'y a pas des objets et des débris qui traînent. Et ensuite, on a un temps recommandé de 26 minutes. Moi, tout à l'heure, j'étais dans les 23 minutes. Et pourtant, j'ai pris mon temps. Allez, on attaque direct. Salut Doomims, une map FS19 à conseiller, je sais pas du tout, là je suis pas du tout dans FS19. Non, mais on va avoir Jordan, on va avoir des infos dans pas longtemps. Donc regardez un petit peu l'herbe. L'herbe est en 3D, bon jusque-là, pas de miracle. Chaque brin d'herbe est créé, et chaque brin d'herbe a une direction. Quand vous passez avec vos roues de tracteur, l'herbe prend la direction de votre roue, du chemin. Si bien qu'à la fin de la tonte, vous avez un terrain tondu, et en fait vous voyez tous vos passages de roues, de tonte, et en fait on a l'impression d'être dans la vraie vie. Quand vous avez tondu votre terrain, vous voyez vos marques de passage, et là c'est pareil, et ça je trouve ça génial. Alors, je vais confirmer. Ah bah là ça. Bah y a pas de problème. Donc voilà ma bête. Hop, on peut aller faire un petit tour. Alors je vais déjà aller faire mon petit tour pour hop là. Pour ramasser des objets, il y a des gosses qui ont laissé traîner des jouets. Moi perso, je les préviens, mes gosses, je dis si vous ramassez pas, ça passe dans la tondeuse. C'est souvent le cas d'ailleurs. J'entends des bouts de plastique qui valent dingue. Hop, là il y a une petite fusée. Hop, voilà. Voilà, j'ai tout ramassé. Il n'y avait que quatre petits objets. Donc vous voyez que niveau décor, c'est pas mal. Les arbres, tout ça, la végétation. On a les fleurs de madame qu'il faut éviter d'aller piétiner et surtout d'aller tondre. Bah sinon vous prenez des pions. Et puis on va y aller. Et puis bon, bah vous voyez que, hein, ça va quoi, on se prive pas ici, hein. Donc on peut faire appel à un paysagiste sans problème. Alors, montez dans le véhicule, touche A. Voilà, me voilà aux commandes. On maintient la touche X pour lancer le moteur. Voilà, je sais pas si vous l'entendez bien. Val, c'est beau. Bah ouais, c'est beau, carrément. Ensuite, on met du régime sur le moteur. Hop, voilà, je l'emmène, 3000 tours. Et ensuite. Et ben ensuite, on peut y aller. Ensuite, on peut y aller. Et alors là, tout est stratégique. Chacun a sa technique. Ce que j'expliquais tout à l'heure, moi, je découpe par morceaux. Il y en a qui vont faire tout en tour, comme ça, en escargot. C'est aussi une des fois une de mes techniques aussi. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Donc, on peut régler la largeur de coupe, la hauteur de coupe avec les touches au bas, ici, sur le pavé directionnel. Donc là, je suis à 7 cm. On m'a demandé de tondre entre 6 et 5. Je peux mettre 6 ou 5. Et ensuite, une fois que c'est lancé, j'appuie sur la touche B pour descendre mon plateau et la touche X pour lancer les lames. Alors, il faut éviter de lancer les lames sur. Bon, là, c'est des pavés, donc ça va. Mais il faut éviter de lancer les lames sur des cailloux, quoi. Sinon, bah, vous faites des dégâts aussi. Et c'est parti! Et là, c'est hyper relaxant. En plus d'être plutôt beau. Le jeu est hyper relaxant. Alors j'ai pris. Si vous voulez voir la tondeuse jaune à l'œuvre, allez sur le live Twitch que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir que c'est un peu différent. Elle braque moins. Et il faut aller vider la trémie de temps en temps. Et regardez, il est pas bien là le gars avec une petite main sur la cuisse là, tranquille. Il lui manque sa petite canette et puis on est bien quoi. On est bien. Les bruitages sont pas mal, que ce soit le bruit de la tonte ou le bruit du moteur. L'environnement sonore, les petits oiseaux qui chantent, bref, ça pue l'été à plein nez, c'est royal. J'aime bien la gestion de l'herbe, ah ouais, non mais c'est juste énorme ce petit jeu. Mais franchement, qui aurait cru qu'on aurait. Quand il y a eu la démo, il y a pas. Enfin, l'annonce il n'y a pas longtemps de ce jeu-là, je me suis dit, ils se foutent de la gueule de qui? C'est pas possible, un jeu de tonte, vous croyez que ça va marcher? En fait, si, ça marche, et ça marche vraiment bien. Là par contre, l'articuler, j'ai un peu du mal, hein. Alors, est-ce qu'on doit faire le petit passage là? Hop là. Waouh! Merde, je tape.
Alors faut éviter de taper, hein, on prend des dégâts. Hein. Les dégâts, vous les aurez en fin de mission et donc vous pouvez réparer réparer votre tracteur tondeuse. Hein. Regardez quand j'écrase l'herbe, vous voyez, l'herbe prend une orientation différente. Et donc à la fin, on a vraiment les passages. C'est énorme. S'il y a des paysagistes dans le coin, je serais bien curieux d'avoir vos petits tuyaux, comment vous faites pour gérer ça. Alors moi, voilà comment je fais chez moi. Quand il y a un angle comme ça... Ah, je vais trop droit, je vais... Alors attends, je vais peut-être tondre, je vais trop vite. Je vais me remettre à 6 en hauteur de coupe, parce que ma truc, elle bourre. L'autre, avec la trémie, elle bourre pas, quasiment pas. Moi, je fais comme ça, tu vois, je fais des petites découpes. En fait, chacun a sa technique et on peut être très créatif en fait dans le jeu. Vous pouvez même vous amuser à faire des dessins au sol, hein, comme la vignette que vous avez pu voir. C'est très très créatif, hein, mais bon. Elle n'abîme pas comme la dernière fois. Quoi ? Si tu parles du stream de tout à l'heure, j'y peux rien, je pense que c'est un petit bug du jeu. D'ailleurs, la preuve, hein, là j'ai commencé la mission, on n'est pas sur la même carte que tout à l'heure. Donc il y a deux cartes, hein, dans la démo. Deux cartes, deux matériels. Enfin, deux cartes, deux missions. Après, je sais pas s'il faut aller faire des terrains de golf, tout ça, mais bon. C'est plutôt pépère. Alors, on a plusieurs vues. On a une petite vue intérieure comme ça. Je l'aime pas trop, la vue. Elle est pas assez large. On peut régler, mais... Ah, je préfère conserver une petite vue extérieure comme ça. Alors j'ai pas été voir sur la fiche Steam du jeu s'il parlait d'un quelconque mode multijoueur. J'espère qu'on va en avoir un, parce qu'imaginez avec vos potes faire des gros terrains. Limite, on s'en fout de la tonte, on se fait une petite course de tracteur tondeuse, quoi. Un tracteur tondeuse pooling. Ah, j'ai un peu du mal avec l'articulé là. Ça braque super bien, mais ça me chagrine sur les marches arrière en fait. Et vous savez qu'avant d'avoir ce jeu entre les mains, je ne savais même pas qu'il y avait des tracteurs tondeuses articulés. Comme quoi, c'est un... La simulation, ça a du bon. On en apprend. Ça sent les vacances, tu m'étonnes. Ça sent surtout le retour de vacances. Tu sais, quand tu viens de te barrer une semaine ou deux... Et que pendant que toi t'étais au soleil, il a un peu plu chez toi, et puis que l'herbe, quand t'arrives, elle fait 40 cm de haut, et que t'es en galère pour tourner tout ça. Bah, c'est un peu ça là, tu vois. Bon, je crois qu'on va faire un petit tour. Hop. Alors, on va essayer d'éviter les tontes de fleurs, parce que madame n'aime vraiment pas ça. Ah, j'en ai fait. Aïe, 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 j'ai pris des pénalités. Merde. C'est Romain. Bah ouais, c'est pas mal. C'est plus que pas mal. Pour un petit jeu indépendant, sincèrement, des fois, hein, y a pas besoin d'aller chercher bien loin les thèmes. Hein. Encore une fois, hein, imaginez-vous en réunion le lundi matin. Bon, les mecs, qu'est-ce qu'on va faire comme développement de jeu ? Oh, je sais pas, mais putain, moi, j'ai cramé tout le week-end. Là, j'étais sur mon tracteur tondeuse. J'ai cramé au soleil, j'en avais marre, quoi. Bah voilà, on a le thème, c'est bon. Tracteur tondeuse simulator. Hop, c'est parti. J'imagine, mais ça doit être un truc comme ça. Hein. On ira leur poser la question aux développeurs. Mais pourquoi tracteur tondeuse simulator? Après la simulation de Karcher, avec un autre studio, nous fait du tracteur tondeuse. Pourquoi pas? Ah, les fleurs! Va falloir que je les rembourse. Tu as abîmé le sol et tu as reçu une amende. Ah oui, parce qu'en fait on abîme le sol en faisant ça sur place un petit peu. On fait des trous là, vous le voyez
tout petit peu, mais on fait des petits trous d'herbe. Et donc, bah, faut éviter de refaire en fait tout le temps des passages là où vous avez déjà tondu. Sinon, bah, au bout d'un moment, la terre elle est marquée et. Enfin voilà, voilà pour le côté simulation. Ah bah oui, vous regardez, il y a 4 trous, j'ai fait 4 trous de roue dans le. J'ai fait burner le machin. Mais ouais ouais non mais ils sont super forts les développeurs d'avoir réussi à nous faire ça. Tu sais tu. Enfin, ils ont vraiment été jusqu'au bout de l'idée quoi. T'as quand même des vraies marques, des vraies caractéristiques de tonte. Tu as des vrais dégâts, tu peux abîmer ta lame si tu passes sur des endroits où il faut pas. L'herbe, bah. Putain mais l'herbe, laisse tomber, elle est quand même super bien faite l'herbe. Elle est super bien faite et je vous dis, vous allez voir à la fin de la tente, vous allez voir vraiment mes passages de roues. Tiens d'ailleurs, j'ai fait un petit manque là. Aïe, abîme pas ton truc toi. Alors on peut abîmer le tracteur, je sais pas si on peut abîmer le. Si on peut abîmer le décor aussi chez les gens et si on a des pénalités pour ça. Allez, je suis à 55% là, de progression. Non, on les voit pas en temps réel, par contre, les dégâts. Ils sont pas, on n'a pas de déformation de carrosserie ou tout ça. Après, il faut retourner à la concession et commander des pièces ou alors mettre tout réparé. Et puis roule, quoi. Ah, j'ai vraiment du mal avec l'articulé en marche arrière. C'est pas évident, hein. Regardez-moi ça, un vrai terrain de golf. Ah, j'espère qu'on va avoir des missions de terrain de golf. Ah, j'abîme le sol. Putain, ouais, quand, il braque trop en fait ce truc-là. Il fait des trous dans le sol. Oh. C'est malin. Bah écoute, alors bah, je vais pas parler du jeu donc en lui-même. Donc le jeu est en démo à l'occasion du Steam Fest, Steam Next Fest. Il y a plein de démos hein, de simulations. Je vais vous refaire encore des vidéos. Vous allez voir, il y a un peu de tout là pendant une semaine. Il y a une démo aussi sur Xbox One. Je sais pas si elle est encore, si elle est encore valide. Moi j'avais reçu, une démo. Je pense qu'elle y est encore. Et donc le jeu est gratuit hein, pour l'instant pour faire l'essai. J'espère que c'est pas un jeu qui va nous coûter trop cher parce que bah, je pense qu'il va être obligé d'être dans la liste des simulations. Hein. Il est trop marrant ce jeu là. Un peu les bordures quand même. Ah mon pote, tu vas bouffer de la branche. Ah. Alors là, je vais essayer de pas trop braquer pour pas abîmer l'herbe. Parce qu'on a vu ce que ça a donné tout à l'heure. C'est quand les dates de la FarmCon fin juillet 23. On va se faire une petite découpe là, hop. Ah, il bourre, ça bourre. J'ai peur pour les fleurs. Attends, on va y aller plus doucement. La gestion à manette est assez sensible, hein. Que ce soit la caméra ou la direction, c'est très très sensible. Je vais réduire un peu ma vitesse. Alors, est-ce que ça braque bien? Ouais, putain, ça... Oh, là. Ça tourne dans un mouchoir de poche, ça. C'est quoi la FarmCon? C'est l'événement de Giant Software pour Farming Simulator, dans lequel ils présentent souvent les nouveautés, tout ça. Donc pour le coup, du Farming Simulator 22 à tout va. La même finition, bah, mais tu rigoles, mais pourquoi pas? Bon, après, on s'écarte un petit peu d'agriculture, hein, déjà. Je pense que là, avec toutes les missions de transport qu'on va avoir, on s'y écarte déjà pas mal.
Mais n'empêche que les modes paysagisme pour Farming Simulator cartonnent. Donc ouais, pourquoi pas. Et en même temps, j'espère pas, parce que ça ferait du tort à ces petits développeurs-là d'avoir du matériel sous licence dans Farming Simulator, alors que le jeu-là, il mérite quand même d'être d'exister à part, quoi, autrement que dans Farming Simulator. Mais je rêve d'un mode multijoueur pour ce jeu, je vous jure. Imaginez un terrain de golf en multi à 20. Aïe 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 aïe. Ce serait énorme. Tiens, en parlant de multijoueur, ne manquez pas, je ne l'ai pas programmé encore, mais ce soir je serai en live sans doute avec Kevin sur ETS2. Puisque après ATS, voilà que ETS2 a enfin sa publique bêta en 1.41 qui amène le multijoueur, enfin le mode convoi officiel. Donc on va faire de l'ETS2 ce soir pour tester le mode multijoueur. On va le tester en live directement. On l'a essayé sur ATS, ça marche très très bien. Quelques petits bugs par moment, mais rien de ouf. Ça marche quand même très très bien, le mode convoi. T'as eu 3 contrats toi, Cédric? Moi j'en ai eu que 2, hein. Je sais pas où est ton 3e contrat. Moi j'ai que 2 contrats et 2 véhicules. Je n'aime pas forcément ce tracteur tondeuse, hein. Ok, il y a le mulching, ça évite de déposer l'herbe coupée, mais franchement, j'aime autant l'autre tracteur tondeuse, là, le jaune. Est-ce que je vais faire des mods Peut-être. Mais là, je suis vraiment concentré sur les modélisations 3D des modes FS22. Si, j'ai eu une petite idée de mode là pour FS19. Je vais voir si j'ai le temps, je la ferai. C'est rien de ouf, hein, mais c'est plus pour tester un truc. Allez, j'ai presque terminé. Tu as abîmé le sol. Oh bah j'y peux rien moi si ça braque trop le truc. On va voir combien que ça va me coûter en pénalité, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de demi-tours et j'ai arraché quand même pas mal d'herbe. Et là, non, ça va. J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire quand même. C'est Christine. Oh là là, c'est moi qui a fait ça? Toutes ces marques là? Ah ouais, en effet, ouais. J'ai un peu abîmé le sol, en effet. L'autre préservait un petit peu plus le sol, hein. Allez, il me faut 99% pour finir la partie. C'est bon. Rapporte le véhicule. Attends, je vais finir quand même. C'est dégueulasse, là. Il reste un gros morceau. On va faire les choses bien. Voilà. Eh ben, c'est terminé. Donc, on va voir la petite cinématique de fin. Où on va voir un petit peu tout le travail que j'ai fait. Ah, bah, attends. Faut peut-être quand même faire un autre truc. On va désengager la lame. Lever tout ça. Hop. Voilà. Faudrait pas se prendre un caillou dans la lame, quoi. Ce serait un peu dommage. Marche arrière ?
Bon, on va tenter, tiens. Hop. Voilà. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Les brins d'herbe, ils ont bien la direction là où je les ai tondus, quoi. Donc on voit, on voit que c'est pas nickel, quoi. Mais bon, c'est rigolo quand même. Ça risque d'être le bordel si on est en multijoueur à 20 sur un terrain de golf. Mais non. Enfin, c'est plutôt ça qui va être rigolo. Est-ce que vous voulez que je vous montre la tondeuse jaune vite fait? Ça fait quelle heure il est là? Oh, on a fait qu'une demi-heure de live. Oh, allez, je vais vous montrer la. Je vais faire la deuxième mission et je vais revendre celle-là. Je vais faire avec la tondeuse jaune. Alors, carburant, j'ai perdu un peu, j'ai abîmé mes lames, un peu le moteur et puis la carrosserie du véhicule. Mais j'ai gagné 336 livres. Alors, où est-ce que c'est marqué? Objet de valeur récupéré. Ah, on peut récupérer les bijoux de la vieille par terre et tout. Collision, donc 12 livres. Fleur détruite, 3 livres. Ça va, ça va, ça va. C'est pas ouf. On prend pas trop cher. Il y a un système d'XP quand même. Là, vous voyez, je suis rang 1 et là, je vais avoir le rang 2, le rang nain de jardin. Accepter tout. Ok. Alors, je vais aller dans la boutique. Est-ce que je peux vendre celui-là? Ou faire un échange? Je peux pas faire un échange? Non. Si. Attends, entretien. Vente de véhicule. Tu peux pas vendre parce que c'est le seul. Changer une pièce. Bah attends, je veux changer ça carrément. Ouais. Voilà. Ok, donc je prends celui-là. Alors, quitter le mode carrière. Non, 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 non. Je veux... Voilà, j'ai ça et je veux la deuxième, le deuxième jardin. Contrat 1. Toc. Tac, c'est parti. 99,5% de tonte. Oh, bah là, faut pas se louper quand même, hein. Il est disponible ou pas encore? Non, il sera disponible cet été. Mais c'est en très bonne voie, hein. Il va arriver l'été. Je vous rappelle que on est le combien là? L'été, c'est dans 3 jours, hein. Non? Un truc comme ça. Enfin, c'est la semaine prochaine, quoi. Donc on sait pas, mais il va peut-être pas tarder. En tout cas, tous les véhicules sont terminés, puisqu'on les a tous en 3D quand on s'amuse à les passer comme ça. Donc là, on a un peu plus de terrain. C'est toujours aussi joli. Ouais, je crois qu'il est sur toutes les plateformes Fleur de Lys. Et voilà voilà la bête. Alors, on va commencer par aller nettoyer un peu le jardin. Ça, c'est quoi, ça? Petite voiture radio commandée. J'en vois un autre là-bas. Encore une autre. Est-ce qu'on n'a pas... Ah, si, on a le maudit nain de jardin. C'est une naine. Hop. Il y a bien un petit journal ou une connerie encore qui traîne. Ah, je vois rien du tout. Merde, il m'en manque un. Objet 3 sur 4. Ah, je vois pas le dernier objet. Merde. Puis ils doivent spawner de manière aléatoire parce que tout à l'heure, il était près des fleurs. Et là, il n'y est pas. Bah, j'ai envie de dire, il va passer dans les lames de la tondeuse, hein. Tant pis, hein. Ah, il est là. C'est le... C'est la revue coquine de monsieur. Tu connais les plateformes compatibles? Mais je pense qu'il est... il est prévu pour toutes les plateformes, hein, celui-là. Les gamelles du chien. Hop. Monter dans le véhicule. Alors, tiens, ça je savais pas. Tu peux terminer un contrat avant la fin en retournant à ta remorque. Tu gagneras quand même de l'argent et un peu d'XP. Ok. Allez, on démarre. Oh, ce petit bruit sympa. Et j'aime bien parce que vous le sentez pas, mais moi j'ai la manette qui vibre en fait quand on est au ralenti. Ça, c'est pas mal. Alors, changer la hauteur de tonte. Ouais. Hop. On va se mettre à 5. Ah, ça se dirige mieux déjà. Engager la lame. Attends, peut-être pas l'engager sur les cailloux. C'est
c'est pas très très bon. Et normalement c'est bon je crois. Tu tombes à la mauvaise hauteur. Ah bon? Ah merde, il voulait entre 6 et 7 peut-être. Ok, c'est bon. Allez go. Ah c'est autre chose hein, celui-là il est... On a l'impression que c'est un petit truc plus nerveux, plus maniable. Attends, on va... Hop, j'enlève la lame. Voilà. Allez, bouffe-toi un peu d'arbre. Il faut absolument que j'essaye ça avec le volant. Pour voir si ça marche. Attends, on va éviter les fleurs à madame quand même. Ah non, il sortira pas sur mobile, hein. Il sortira pas sur Switch non plus. Hein. T'es fou toi, t'as vu un peu le nombre de polygones qu'il y a avec l'herbe? Comment tu veux afficher ça sur un mobile? Je veux bien que les mobiles soient puissants, mais quand même. Je vous dis chacun sa technique. Hein. Moi j'en ai marre d'aller dans les angles comme ça, je préfère le faire tout de suite comme ça. Hop, on est débarrassé. Ouais, tu as une petite poubelle là sur la partie droite. Mais en fait, t'inquiète pas pour le remplissage. Hein. C'est un peu de l'arnaque hein, parce que là j'ai 240 litres, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitch. Les 240 litres ils se remplissent, mais alors. Tout doucement, mais tellement doucement que là, normalement, je peux faire ma mission sans vider. Je vide à la fin. Bon, là, je vais faire ma technique de l'escargot. Hop, on va tourner. Je vais faire mon angle quand même, là. C'est Swede. Par contre, j'ai pas intérêt de faire trop de manque parce que le contrat dit 99,5%. Quoi. Faut vraiment pas se louper. Et celle-là, elle tombe pas très large. Je crois qu'on est même pas à 80 cm de largeur. J'ai peur de faire des petits oublis. Ah là 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 là. Les fleurs, même si finalement c'est pas si cher que ça, les dégâts de fleurs, on va quand même les éviter.
Elle est pas belle ma technique? La technique de l'escargot? Ça fout un peu la gerbe. Est-ce qu'il y aura des travaux forestiers sur FS22? Bah oui, toujours toujours les mêmes quoi, les mêmes que sur FS19, au moins. À moins que ce que tu voulais peut-être dire, c'était du paysagisme. Ah là 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 là, ça coupe pas assez large. Ouais, le jeu est sur Steam. Lawn Mowing Simulator. Il est en démo. En fait, tu vas tomber sur la fiche Steam du jeu et quand tu scrolles la fiche, à un moment donné, est marquée en démo pendant. Alors, je sais pas s'il sera en démo très longtemps ou si c'est que une démo pour quelques jours à l'occasion des Steam Next Fest. Je ne sais pas. Donc dépêchez-vous de mettre le jeu dans votre liste. Enfin de mettre la démo. N'empêche que le jeu, il est super relaxant quoi. C'est. Je trouve ça cool en fait de conduire un petit tracteur tondeuse avec le petit chant des oiseaux derrière. Des fois on entend des vaches là derrière, alors j'ai pas vu de ferme, mais on entend une vache. Et tu dois faire quoi d'autre à part tondre? Alors c'est un simulateur de tonte, donc t'inquiète pas, tu vas pas aller t'amuser à planter des fleurs ou autant. Le but c'est tondre. Et uniquement avec un tracteur tondeuse. Pour l'instant, il n'est pas question de descendre du machin. Peut-être que après, à savoir, on aura peut-être des tondeuses manuelles, quoi, à pied. Je sais pas, peut-être que le jeu, maintenant que la base est posée. Il y aura peut-être des évolutions plus orientées paysagisme, mais pour l'instant, on doit que tondre. Et le jeu fait ça très très bien. Et quand je vois le matériel qu'il y a à débloquer, eh ben moi, ça me donne envie de jouer juste pour pouvoir aller jusqu'au gros tracteur tondeuse là de 1m50 de coupe, 4 roues motrices, 20 km/h. Ah, il faut que je teste ce truc-là. Le gros truc là que vous voyez sur les bords de route des fois. Bah y a ça dans le jeu. Et pas que le petit tracteur à pépé quoi. Ouais. Hop là. Oh. Oh bah ça a sauté le stream là pendant quelques secondes. C'est revenu. J'espère qu'il n'y a pas de l'orage. C'est bon, vous me voyez? Tout va bien? Bon, ça a l'air. Bon, au pire, hein, si ça coupe, vous le saurez. Bah non, connexion excellente, c'est bon. Vous le saurez, c'est juste qu'il y a peut-être un petit peu d'orage. Et que je sais pas, j'ai mon écran qui a sauté et mon Streamlabs qui a sauté aussi. Et qui est revenu. Tout est revenu au vert. Donc, je sais plus, qu'est-ce que j'ai lu là? Ouais, Swede, même pas une petite taupe à éviter. Ah, si seulement il pouvait y avoir une petite taupe qui sort la tête du trou. Je fonce! Mais non, il n'y a pas de taupe. Non, puis s'il faut commencer à tuer les taupes,
Je pense que le classement Peggy va changer un petit peu aussi. T'as vu quelque chose, Nux? Mais bon, c'est revenu, c'est bon. Moi, j'aime bien même l'animation du personnage, quoi. Les mains, tout ça, il tourne la tête. Quand on fait une marche arrière, il regarde derrière, tout ça. Ouais, c'est des trucs tout cons, hein. Mais je trouve que le jeu est bien fini, bien peaufiné. Bah, tant mieux, Mister Doudou. Et les fleurs, tu peux tondre ou pas? Ouais, tu peux les tondre. Mais le problème, c'est que tu prends des grosses pénalités quand tu les tondes. Je sais plus qui disait tout à l'heure, ouais, on voit vachement plus les passages en fait de roues avec ce tracteur tondeuse là. Et je trouve que ça fait plus réaliste. Et ça donne. Bah, du coup, ça fait plus. Je sais pas, enfin, ça fait créatif un petit peu quoi. Tu peux t'amuser à faire des dessins. Alors, ne vous amusez pas à faire les dessins que j'ai fait sur la vignette, bien sûr. Ah, on n'est pas. On n'est pas puéril à ce point non plus. Des jardins avec des bassins, je sais pas si on en aura, peut-être. Mais tu vois, tout à l'heure, il y avait les nains de jardin. À y réfléchir, j'aurais dû le laisser. Pour une fois que j'avais l'occasion d'éclater un nain de jardin. Ah, bon, j'aurais abîmé ma lame un petit peu, mais... Alors, je sais pas, après, en termes de réalisme, qu'est-ce que ça fait quand on a la lame abîmée? Tout à l'heure, mon tracteur était tellement abîmé que j'ai pas pu terminer le contrat. Ça m'a mis fin de contrat, point barre, merci, au revoir. Mais est-ce que quand la lame est abîmée, genre on peut plus tondre, ça bourre plus facilement, je sais pas ce qui se passe. Je pense que la gestion du bourrage, vu qu'elle est là, ça doit être ça. Le bourrage doit se faire plus rapidement peut-être. C'est vrai. Si on pouvait avoir ça sur Farming, mais alors attention, hein, là il y a du polygone, hein. Attention, tu fous ça dans Farming, en plus de tout le reste, le jeu, pauvre jeu, tu te fous à terre, hein. Là regarde, t'as que un jardin de modéliser, bon t'as le décor en arrière-plan, mais voilà, ton ordinateur il a que ça à gérer, d'ailleurs regarde un petit peu les caractéristiques, ce qui est requis en fait pour en termes de PC, c'est pas du petit PC quand même, hein. Ça commence à être sérieux, on commence déjà à te demander une 1050 Ti pour pouvoir jouer en Full HD 30 FPS avec les niveaux de texture et tout en faible. Et que si tu veux en profiter pleinement, il faut déjà un truc plus lourd, genre une 2060. Je suis pas surpris, hein. Merde, je regardais le compteur, je suis qu'à 63%. Mais oui, il me reste tout l'autre côté encore à faire. Ça, c'est un vrai jeu de patience, hein. Ah oui, 14 minutes, et il me disait 26 minutes. Je sais pas si on a des pénalités, si on est trop long. Bon, je pense pas, quand même. En tout cas, je préfère ce tracteur tondeuse-là à l'articulé, hein, pour la maniabilité. C'est quand même super plus sympa, quoi. J'enlève ma lame, juste le temps de passer de l'autre côté. Ah ouais, tu vois, ça vibre. Ça vibre dans la manette. Je pense qu'il aime pas quand je passe en dehors de l'herbe. Ouf.
Le bac se vide jamais. Si, si, bah attends, tiens, si tu veux, je pourrais le vider. Hein. De toute façon, je le ferai à la fin. Avant de ranger le tracteur, il faut vider. Alors, j'ai fait un petit oubli là. Ah, ça bourre. Attends, tu sais quoi? Regarde, tiens, ça va te faire plaisir. Je vais te vider tout de suite. Il y a juste une petite animation, ça s'ouvre. Hop. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est rapide, hein. Parce qu'il faut faire le plein d'essence des véhicules. Oui. Tu as le niveau de carburant, je ne sais plus où. Où est-ce qu'il est le niveau de carburant? Ah bah il est dans le compteur de vitesse. En plein milieu. Là j'ai cramé un quart du réservoir. Quand même hein. Ça bouffe beaucoup ça, un tracteur tondeuse. J'en sais rien du tout moi. S'il y en a qui sont propriétaires de tracteurs tondeuses, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que ça consomme beaucoup? Sûrement plus qu'une tondeuse, mais à quel point? Ah, ça bourre. C'est Vincent. Ah, mais monsieur Kevin est là aussi. Salut Kevin. Re-salut. Viens voir si ton ouvrier travaille bien. 6 litres par heure pour un modèle de ce genre là. Ah bah on n'est pas trop mal alors parce que mon réservoir je crois il fait 6 litres justement. Et là tu vois j'ai travaillé 20 minutes et j'ai cramé un quart du réservoir. Donc c'est à peu près ça. On n'est pas très loin du 6 litres à l'heure. Donc même là-dessus ils ont fait un truc réaliste. Alors là, faut faire attention, il y a le petit parterre de fleurs de madame qui est là juste pour nous faire chier. Salut David. Attends, on va lui faire son parterre à la madame, là, comme ça. On va essayer de pas trop écraser le bazar. Hop, 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 ça m'a l'air pas trop mal, il y a une petite touffe encore. Voilà. Ouais, du coup, sur la consommation, l'usure des lames, tout ça, il y a quand même une petite partie économique, gestion d'entreprise intéressante à faire. Alors là, on ne le voit pas dans la démo parce que dès que j'aurai terminé ça, la démo s'arrête normalement. Même si je peux déjà envoyer en réparation, j'ai quasiment rien à faire réparer, donc c'est pas très intéressant. Par contre, je trouve que c'est cher payé, une tonte. Hein. Là, je gagne 300 livres. C'est énorme, juste pour une tonte. Bon, en même temps, il faut bien qu'ils vivent, hein, mais bon. Le jeu est bien, demande Poussin Zinzin. Et ben, le jeu est excellent pour un jeu de tracteur tondeuse. Qui l'aurait cru, mais le jeu est vraiment excellent, bien réalisé. C'est un vrai jeu, c'est une vraie simulation, c'est un vrai jeu et c'est rigolo en fait, parce que tout le monde n'a pas un tracteur tondeuse, moi le premier, et je trouve ça rigolo à conduire.
tourne-manège. Dommage qu'on puisse pas prendre des enfants du proprio sur les genoux, parce que souvent les gosses, dès qu'ils voient un tracteur tondeuse... On peut monter, on peut monter! Ah, j'ai fait un manque. Oh, bon. Trois fois rien, trois fois rien. Ouais, tu tac-tac pas un golf avec quatre... Non, non, mais tu verrais, t'as vu le... T'étais pas là, Mister Doudou, au début du live. T'as vu le genre de matériel qu'on a. On a des trucs à... La plus grosse, c'est 1m55 pour 20 km/h. 1m55 de large, 20 km/h. Donc déjà, il y a du débit quand même. Je me vois même pas, en fait, réussir à tirer droit à 20 km/h. La manette est tellement sensible... Ah ouais, le perso est super bien fait. La marche arrière, hop, il se retourne, tout ça. Je t'ai dit, il manque juste la petite canette de bière dans la main. Et c'est nickel. Eh, je vais le faire, hein, 99,5% d'herbe tondue. 98,7. Ah, j'ai fait un petit manque là. Hop. Allez, je l'ai là, c'est bon. Impeccable, c'est fait. Voilà, on va prendre le temps de regarder la cinématique de fin parce que, regardez, on voit bien tous les tracés en fait au sol. Là, on voit super bien. C'est quoi la plus grande pelouse que tu puisses tondre dans le jeu? Bah, pour l'instant, c'est celle-là. On n'a que deux cartes. Donc là, le live a duré une heure. Voilà, enfin un peu plus peut-être. Oh, il est où le truc? Ouais, on est à une heure de jeu. Une heure de jeu pour faire les deux tontes. Ouais, David, super bonne surprise. Super bon jeu, en fait. J'avais oublié de couper ma lame. Pas terrible. Merde. Voilà. Et là, on se détend et on admire le travail. Est-ce que je peux vous remontrer les véhicules pour ceux qui n'étaient pas là? Ouais, je refais un petit saut. De toute façon, là, je vais me faire éjecter du jeu. Normalement. Tout à l'heure, en tout cas, je me suis fait éjecter à ce moment-là. Donc là, on voit que ma gestion de carburant, tu vois, on voit bien que j'ai perdu du carburant, qu'il va falloir qu'à un moment donné, je fasse le plein quand même. Alors, suivant, accepter tout, ouais, toc. Voilà, donc là, on est éjecté, ils nous donnent pas la date de sortie, ils disent juste que ça va arriver cet été. Hop, quitter. On arrive sur la page d'accueil. Et je vais vous remontrer vite fait. Ah non, je peux pas! Faut que je recommence une nouvelle partie. Bon, attends, hop. Là, c'est les tutos. Non, toc. Confirmer, démarrer la société. Ouais, voilà. Alors, voilà les tracteurs tondeuses qu'on a. Donc là, vous venez de me voir conduire celui-là. Il est prévu pour quand? Cet été. Il n'y a pas de date exacte. Il y a marqué Summer 2021. T'as pas une bière offerte quand t'as fini le chantier du client? Même pas. Ils sont même pas là, les clients.
Donc on a le Stiga, alors c'est des vraies licences, c'est pas des marques que je connais, en même temps je ne connais rien en tracteur tondeuse, comme ça c'est vite vu, mais c'est des vraies licences, avec des vrais modèles, des trucs faits avec des vrais CAO, et ça se voit, c'est juste magnifique. Stiga, donc un peu plus large, vous avez toutes les caractéristiques techniques qui sont notées, donc là 108 cm au lieu de 84, il va un peu plus vite, il a un réservoir plus gros, donc déjà des chantiers un peu plus gros. Sur certains, on a. Alors attends, là il y a quoi? Pièces disponibles. Là vous le voyez, il y a la description et juste en dessous il y a marqué pièces disponibles. Donc en fait, on a des options. Là pour l'instant, on peut rien prendre, mais il y a certains qui peuvent faire le mulching et on peut leur foutre quand même un bac de récupération derrière. Donc on peut faire évoluer un peu les matériels. J'ai hâte de voir en version finale les missions. Ben, moi j'ai trop hâte, c'est de voir. Donc là, tu vois, déjà on est à 1,22 m. Là, ça grimpe, 1,32 m, et il y a la grosse, là, c'est 1,55 m, celle-là. 1,55 m, 19,3 km/h. Je sais pas si tu te rends compte, 50 litres de réservoir, 54 litres, là, on est déjà sur de la machine de compète, quoi. C'est... J'ai vraiment hâte de la voir. Alors, on la voit, là, pour le coup, on a vraiment la 3D. Elle est magnifique, la machine, elle est vraiment magnifique, il y a du détail. On peut pas zoomer dessus, je crois pas. Non, on peut pas zoomer, c'est dommage. Mais j'ai envie de regarder toutes les petites pièces, tout est super bien fait, les textures, le siège en cuir. Là, vous le voyez peut-être pas sur la résolution en 720p, mais moi je vois bien les petites craquelures de cuir sur le siège, moi je les vois à l'écran. Il y a du détail de ouf dans le jeu. Si tu ne sais quelle autoporter acheter pour chez toi, oh mais me laisse tomber, moi chez moi j'ai pas assez grand de terrain pour pouvoir acheter ça, et puis il y a plein de trucs partout, des arbres, tout ça, enfin c'est la merde quoi. À la rigueur, un petit robot tondeuse, mais pas ça. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a 4, quoi? Système de conduite 4x4. On a une 4 roues motrices, braquage 0. Donc là pour tourner sur place. Braquage 0. Avec les deux petits sticks là pour tourner. Salut David, merci d'être passé. C'était sympa. Après on a quoi? Taureau. Bon, enfin, vous regardez hein, les caractéristiques. Là, on a une grosse trémie, 810 litres. Alors que la toute petite première là, que j'avais, la jaune, c'était 240 litres. Bref, je ne sais pas si le jeu va continuer d'évoluer au niveau des marques, mais là, déjà, on a un beau panel avec des caractéristiques plutôt sympas, assez variées. Et j'aime bien celle-là en bleu. Je sais pas c'est quoi comme marque, mais Patterson. Bref, j'ai hâte de voir le jeu en version complète. Est-ce qu'on va avoir des gros terrains de golf à faire? Ce serait juste complètement dingue. Et surtout, est-ce qu'on va avoir un mode multi? Putain, ce serait trop bon. Vraiment, vraiment trop trop bon. Bref, je vais aller éplucher. Je vais vous laisser là. Pour ceux qui ont envie de revoir la rediff, qui sont arrivés en retard, vous regarderez la rediff du live. Je vais aller éplucher la fiche Steam, voir si on arrive à trouver un peu plus d'infos. Parce que, elle a dû être mise à jour là avec la démo qui est arrivée. Et notamment au niveau d'un multijoueur, ce serait vraiment cool. Et un nombre de terrains. Là, il n'y a que deux terrains, c'est déjà chouette, mais en effet, comme ça a été dit tout à l'heure, si ça se limite à que des petits terrains de propriétaires comme ça, au bout d'un moment, bon, vous allez jouer, allez, une vingtaine d'heures, le temps d'essayer au moins un petit peu toutes les machines, et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on risque de tourner en rond. Par contre, si on commence à faire des terrains de golf, et genre des terrains même qu'on peut faire en plusieurs fois, là, ça va commencer à être rigolo. Bref, en tout cas, merci à tous d'être passés ce midi, regarder le live. N'oubliez pas ce soir, je pense qu'on ne va pas le faire de bonne heure, ce sera peut-être du 21h. 20h30, 21h dans tous les cas. Avec Kevin, on va tester donc la mise à jour 1.41 de TS2 qui amène le support du multijoueur. Enfin, donc tester déjà sur ATS, valider, ça marche super bien. On va faire un petit essai sûrement dans l'après-midi et pour voir si tout marche bien quand même. Et si tout marche bien, live ce soir sur Euro Truck Simulator 2. Fred, il est trop beau ce jeu, il est magnifique, juste magnifique. C'est vraiment un jeu digne des productions qu'on a en 2021. C'est beau. C'est Unity en même temps. Très zen, tu m'étonnes. Allez, sur cette grosse zénitude, tombe le stade de foot. Très bonne idée ça aussi. J'espère qu'on aura. Sur cette grosse zénitude, moi je vous souhaite un bon après-midi, bon appétit pour ceux qui sont peut-être encore en train de manger. Et je vous dis à ce soir sur universimu.com. Ciao tout le monde!